Logé dans la poulève de Ligue des Champions de l'UEFA, le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité aux Allemands du Borussia Dortmund, mardi 21h, dans le cadre de la première journée. Mais avant ce match, une très mauvaise nouvelle tombe pour le groupe dirigé par Luis Enrique, qui devra se passer d'une de ses recrues estivales. Avec un début de saison mitigé en championnat de France, le Paris Saint-Germain, qui sort d'une défaite 2-3 contre Nice, va tenter de convaincre en Europe cette saison. Pour entamer sa campagne, le club francilien va recevoir le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Mais les champions de France vont devoir se passer des services de Marco Asensio, blessé lors de la trêve internationale avec l'équipe d'Espagne. Dans son point médical publié ce lundi, le PSG indique que l'ancien attaquant du Real Madrid est forfait pour la réception de Dortmund, mardi, en Ligue des Champions. Le point médical de ce lundi 18 septembre concerne Nuno Mendes, Marco Asensio et Presnel Kimpembe. Victime d'une petite infection, Nuno Mendes ne sera pas présent au campus PSG ce jour. Marco Asensio poursuit son protocole de soins. Presnel Kimpembe continue son travail de réhabilitation. Peut-on lire dans le communiqué du club champion de France? Si une durée n'est pas pour le moment définie pour le retour de Marco Asensio sur les terrains, Luis de la Fuente, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, en a une idée. À en croire le technicien espagnol, l'ancien du Real Madrid est au moins absent pour un mois. Ni Olmo ni Asensio n'arriveront pour les prochains matchs, avait déclaré récemment l'entraîneur espagnol, rapporté le journal AS. Pour rappel, l'Espagne joue contre l'Écosse, le 12 octobre, et face à la Norvège le 15 octobre prochain. Si cela se confirme, Marco Asensio devrait manquer plusieurs matchs de Ligue 1 et Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.